Bonjour les amis. Alors, petite balade en vélo avec ma X3000 de Sony que j'ai montée sur le guidon mais surélevée de manière à ce que vous ayez une belle vue. Voilà, donc en avant, je vous fais cette petite visite de ma résidence. Alors, cette résidence, eh bien, regardez, partout des animaux. Là, ce sont des oiseaux, voilà. Toute une petite famille d'oiseaux. Oh. Et voilà, vous les avez vus, j'espère. Alors, je vais faire un peu de zigzag. Comme ça, vous voyez un peu à gauche et à droite les maisons. Alors, c'est d'un calme, c'est magnifique. Alors, j'espère que la caméra ne va pas trop trembler parce que je l'ai mis en hauteur sur un support. Et j'espère, donc, comme je viens de vous le dire, que vous n'allez pas trop en souffrir. J'espère aussi que vous m'entendrez parler, puisque j'ai le micro normal de la caméra, puisque la X3000 de Sony a un préamplificateur trop puissant, et tous les micros que j'ai, donc, saturent. Et donc, le son n'est pas bon dès que je branche un micro à l'arrière. Voilà, alors regardez comme c'est beau. C'est calme, c'est reposant. Alors, quelqu'un pourra peut-être m'aider au niveau de l'Osmo, la DJI Osmo Action Cam. Regardez, vous avez vu ce qu'il y a devant? Hop, et il n'a même pas eu trop peur. Alors, heureusement que je ne suis pas passé sur son driveway à lui. Hein. Alors, le problème que j'ai avec la DJI, c'est qu'elle me fractionne les vidéos en petits morceaux. C'est pas très pratique parce qu'après, quand je veux les uploader sur YouTube, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce qui se passe tout simplement, c'est que ça met un temps fou. Ça met un temps fou, pourquoi? Tout simplement parce que je dois prendre un logiciel, je ne vais pas passer par là, il y a du bruit. Je dois prendre un logiciel pour monter le film. Ce logiciel remet tout en... Voilà, je n'ai pas encore le coup de main, hein, les amis. Alors, ce logiciel remet tout en place, recode tout, et ça met 2 heures pour mettre une petite vidéo de 20 minutes. Donc, c'est de la folie, et c'est pourquoi je filme de nouveau avec la Sony, où je n'ai jamais eu de problème semblable. Alors, il faut que je trouve la solution, les amis. Et je vais la trouver, vous me connaissez, je suis un samouraï, et un samouraï ne lâche pas prise. Alors voilà, petite vidéo, et là j'arrive chez moi, les amis. J'arrive chez moi, et la flaque d'eau, comme d'habitude, dès qu'il pleut, oh, hop là, et ça y est. Je suis même pas tombé et je retourne, voilà, sur mon driveway. Et voilà, hop,
Alors, je descends ma béquille et je vais essayer de lever la jambe malgré ma douleur. Ah, j'y suis arrivé. Alors voilà les amis, et ben bonjour d'abord parce que vous ne m'avez pas vu. Et au revoir, et je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.